après le décès de son épouse vendredi 9 avril 2021, était reine d'Angleterre et qu'une fouette de plus dur d'éprouver. En effet, l'un de ses plus fidèles amis employés passe et devient très pépé le mardi 20 avril 2021. Retour sur cette douloureuse nouvelle. Trois jours après les funérailles de Prince Philippe, la reine Elizabeth II est une fois de plus affectée par une terrible nouvelle. Son ami Sir Michael Oswald s'est éteint le mardi 20 avril 2021 à l'âge de 86 ans, comme rapportait le quotidien britannique The Times. Accablé par une longue maladie depuis le 17 avril 2021, tout même jour que les funérailles du duc d'Édimbourg, Windsor Philippe, le quadragénaire a rendu malheureusement son dernier souffle. Sir Michael Oswald, reine d'Angleterre. Photo d'été image, une mort de plus est visiblement moins sombre pour la reine Elizabeth II. Peu de temps après avoir accompagné son plus gros soutien vers sa dernière demeure, alors que la nonagénaire est encore entrée de douleur, qu'une autre vient de s'ajouter. En effet, son cher ami Michael Oswald vient de casser ses pipes à l'âge de 86 ans. Connu pour être le patron des écuries royales et sans doute l'un des plus fidèles amis de la souveraine. Rappelons que c'était en ses compagnies que le monarque évoquait quitation. Sir Michael Oswald, reine d'Angleterre. Serviteur loyal au fil du temps, Sir Michael fait du Volt Nantam dans le sur 1934. Instruit-il et Algretto puis Hawkins College de Cambridge. Après un brillant parcours scolaire, il a été recruté comme directeur du Royal Institute qu'il est dirigé pendant 6 ans depuis en temps court. Sir Michael Oswald, reine d'Angleterre. Photo Getty Images. Avant de prendre le poste de conseiller de reine pour les cours fonds 2003, le quadragénaire a travaillé pour les reines mères d'un 970 de sa mort 2002. Dans la liste des honneurs du nouvel an 2020, il a été nommé chevalier grand croix de l'ordre royal de Victoria Sir Michael Oswald aux compagnies de la reine d'Angleterre et du prince Philippe. Photo d'été image montre un peu grand sens de l'humour de la reine et leur étroite amitié. Sir Michael racontait souvent l'histoire d'un cheval que son employeur avait de l'entraînement. A plus tard, Veste Song. La mort du prince Philippe vient de sceller plusieurs jours. Buckingham Palace annonçait alors le décès du duc d'Édimbourg. Les reines Elizabeth entrent alors pour les premières fois dans un deuil bouleversant. L'âge de 99 ans, son pilier est quitté pour la toute première fois, plus de 75 ans de vie amoureuse.